SOS Méditerranée traite le dossier critique d'aujourd'hui. Et le dossier critique, c'est qu'on se noie en Méditerranée. Des États, malheureusement, de plus en plus nombreux, ne prennent pas leurs responsabilités face à cette urgence humanitaire, et que d'autres la prennent pour eux, et que ce que on pourrait au moins attendre de ces États démissionnaires, c'est qu'ils ne criminalisent pas l'action de celles et ceux qui font leur devoir et d'une certaine manière qui supplaient à la défaillance des États. SOS Méditerranée, c'est une entreprise d'alerte. Et alerter les opinions, ça veut dire les prévenir, et ça veut dire aussi documenter, ça veut dire témoigner. Et tout cela, c'est une prise de conscience qui passe aussi par le savoir. Il faut savoir ce qui se passe. Beaucoup de choses nous amènent à ne pas voir. Et d'une certaine manière, ouvrir les yeux, c'est un effort. Et plus la réalité est douloureuse, plus elle est honteuse, plus c'est un effort d'ouvrir les yeux. Mais justement, c'est de cela dont il s'agit dans le soutien à SOS Méditerranée, c'est qu'on ne ferme pas les yeux.